Alors, moi, je suis Sophie Bazin, je représente la maison Dodo Vol, qui est basée à Madagascar. Dodo Vol, au départ, c'est une association d'artistes et c'est l'idée de faire connaître les œuvres des artistes du sud-ouest de l'océan Indien au-delà des mers. Donc de faire des beaux livres d'art pour les tout-petits. La première collection, c'est une collection de livres tout carton. Et la particularité, c'est que ce n'est pas des illustrations, c'est des livres qui sont faits autour d'une œuvre d'un artiste. Et c'est le texte, en fait, qui vient illustrer l'œuvre. Voilà. Ça, c'est ce qui a motivé la fondation de la maison. Mais ensuite, à Madagascar, on a constaté que dans les bibliothèques, il y avait beaucoup de livres donnés par les institutions francophones, donc qui étaient en français, alors que les enfants qui fréquentaient ces bibliothèques étaient exclusivement malgachophones. Et donc on s'est dit que nous, étant une maison d'édition qui voulait promouvoir les minorités silencieuses et les cultures en voie de disparition, on avait un rôle à jouer en arrivant à produire des livres qui soient aussi beaux que les livres européens, mais qui soient accessibles aux enfants dans leur langue. Et ça a donné naissance à la deuxième collection, qui est celle du Dodo Bonimenteur, où on publie des contes traditionnels en français et en malgache, illustrés par les écoliers dans le cadre d'échanges entre écoles de France et de Madagascar. Et puis, depuis peu, on a une nouvelle collection qui est une ligne adulte, où là, on publie des romans ou des nouvelles, des fictions, sur Madagascar vue de l'intérieur. Donc, c'est pas nécessaire des auteurs malgaches, mais c'est toujours des auteurs qui ont un point de vue interne à Madagascar. Et dans cette collection-là aussi, on vient de sortir une grande revue qui s'appelle Lettres de Lémurie et qui associe 24 auteurs de Madagascar, Maurice, les Comores et La Réunion. Alors l'Alliance, c'est d'abord une mise en réseau. Comme Corinne l'a dit, c'est d'abord la possibilité d'échanger entre éditeurs qui ont des problématiques parfois similaires. Et puis, moi, ce qui me plaît aussi beaucoup dans l'Alliance, c'est qu'elle défend un objectif qui m'est cher, c'est la bibliodiversité. C'est-à-dire la capacité à faire des livres qui sont nécessaires, mais pas nécessairement rentables. Je pense que c'est vraiment très important dans l'Alliance, dans le nom de l'Alliance, il y a indépendant. Et ce I de indépendant, là, il est fondateur. Ça veut dire que ce n'est pas le marché qui nous dicte notre ligne éditoriale. Il y a bien sûr le marché, il faut en tenir compte. Mais il y a aussi une préoccupation d'intérêt général. Dans cette optique-là, par exemple, on a publié l'an dernier L'Orager, qui est un roman qui est paru au Mercure de France. On en a fait une traduction en malgache parce qu'il nous semblait important qu'un lectorat malgache intéressé puisse avoir accès à ce type d'écriture, qui est une écriture très contemporaine, dans sa langue. Bon, c'est un projet évidemment qui n'est pas financièrement viable parce qu'on va le vendre peut-être sur 10 ans et à un prix très bas. Mais on a, nous, en tant qu'éditeurs, une responsabilité aussi à outiller les langues, et notamment les langues qui sont peu publiables, faute de marché. Donc je pense que dans cette optique-là, l'Alliance reprend tout à fait les objectifs. Voilà. Et il y a une des choses aussi que fait l'Alliance, c'est qu'on essaie de sensibiliser les gens aux effets délétères du don. Les containers qui arrivent en Afrique et qui vont saturer les bibliothèques, les zones de lecture publique, c'est pas forcément une bonne idée, le don. Et voilà, ça aussi, c'est une des choses à laquelle nous, on sensibilise à notre modeste niveau, mais qui est reprise beaucoup plus largement et beaucoup plus efficacement par l'Alliance. On défend ce qu'on appelle l'édition solidaire, c'est-à-dire qu'un lecteur européen, francophone par exemple, quand il voit un livre bilingue comme le nôtre en français et en malgache, il va se dire « Ah ben ça c'est pour les petits malgaches qui veulent apprendre le français ». Nous on essaye de faire changer ce regard-là, on essaye de dire que acheter un livre bilingue, c'est un acte militant. Justement, c'est beaucoup plus constructif que le don. Quand vous achetez un livre français malgache ou français amharique ou français wolof, vous soutenez un éditeur qui travaille au sud et qui travaille dans des conditions où c'est difficile de publier. Donc on essaye de dire aux gens, achetez bilingue, c'est beaucoup plus intéressant pour les pays du sud que d'avoir des dons de livres patriés qui arrivent comme ça en masse. Et je pense qu'on peut faire changer le regard du lectorat européen si on explique les choses. L'édition solidaire, c'est un joli rêve, mais c'est pas non plus complètement irréalisable. Voilà.